الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى كل رسول ارسله ننوي لله تعالى بحضور هذا المجلس La louange à Allah, Seigneur, demande que Allah honore et élève davantage en degré le grade de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et qui préserve sa communauté de ce que le prophète craint pour elle. Nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère pour assister à ce cours. Bismillah, wa bihi wa abadna ghayrahu وحبذا ربا وحب دينا وحبذا محمد هادينا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله إن شاء الله نكمل في هذا الكتاب العظيم في هذا الكتاب الذي هو من دروس شيخنا رحمه الله رحمه واسعه هذا الشيخ الكبير هذا الشيخ المتواضع العالم العارف بالله الذي كنا من تلاميذ تلاميذه يعني الحمد لله انه تعلمنا هذا nous allons continuer dans ce livre qui est un livre de notre cher que Allah soit clément envers lui on remercie Allah Ta'ala qu'on fait partie de ses élèves ou des élèves de ses élèves on remercie Allah Ta'ala qui nous a accordé cela ce grand bienfait في الاسلام alors يقول الشيخ رحمه الله رحمه واسعه ان اهم الامور في دين الله تعالى وانفع الاشياء في الاخره هو الايمان يعني اهم شيء اهم شيء Le cher que Allah soit clément envers lui, il a dit parmi les meilleures des choses, c'est la croyance en Allah et la croyance en son prophète. Et c'est ça qui va être bénéfique pour la personne, c'est-à-dire la personne. Si Allah ne lui a pas donné la croyance, donc c'est comme il a rien eu. Même s'il était, comme on a dit, le plus riche au monde, mais il n'a pas eu la croyance. Alors, il a rien eu. Athabatu al-iman nob al kufur » Le fait de persévérer sur la croyance et éviter toutes sortes de mécréances. Ça c'est le plus important. Le plus important, c'est que la personne persévère sur l'islam. Il continue sa vie jusqu'à la mort sur l'islam. Il apprend la science de la religion et il évite toutes sortes de mécréances. «Hakadha al iman» <düny> C'est ainsi le fait de persévérer sur la croyance. «Man <maiden> tajannaba al kufra al qawli wal fi'li وهو على هذه الحال هذا مضمون له الجنه هذا مضمون له الجنه بفضل الله ورحمته لا بد ان يدخل الجنه Donc celui qui a évité les trois sortes de la mécréance la mécréance par la parole, la mécréance par les actes et la mécréance par la croyance Il a persévéré sur cela jusqu'à la mort. Il a évité toutes sortes de mécréances jusqu'à la mort. Alors il a la garantie, la garantie de rentrer au paradis. Alhamdulillah, yani, ça c'est par la clémence de Allah Ta'ala. Il faut que cette personne entre au paradis. Pourquoi Parce qu'il est sur l'islam et il a évité toutes sortes de mécréances. Il a persévéré sur cela jusqu'à la mort. Alors celui-là, il a la garantie de rentrer au paradis. Quel bonheur. Il a dit le cher que Allah soit clément envers lui. S'il y a celui qui a perdu la croyance, c'est-à-dire il n'est pas sur l'islam, il a tout perdu. Il a tout perdu. al mal, cool Muslim. La bonne croyance, c'est comme on a dit la dernière fois, c'est la capitale de chaque musulman. Celui qui a garanti son capital, il a tout gagné. Celui qui a persévéré sur l'islam jusqu'à la mort, il a gagné. Wa -kala, radiallahu anhu. Da'at al il a dit que Allah lui fasse miséricorde. La bonne croyance est perdue chez beaucoup de ceux qui prétendent l'islam. C'est-à-dire beaucoup de gens prétendent être musulmans et ils sont loin de la bonne croyance. Eux, ils croient qu'ils sont sur la bonne croyance. Mais en réalité, ils sont très loin. Ils sont très loin. Il a dit, ils ne connaissent pas leur Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, ils ne croient pas comme il se doit en leur Seigneur, en Allah. Ils n'ont pas appris chez les savants dignes de confiance. wa ummahatuhum. يهملونهم وقد يكونون مثلهم جاهلين يعني الاب او الام ان لم يتعلموا علم الدين كيف سيعلمون أب اولادهم شخص اذا هو لا يملك هذا الشيء فكيف هو يعلمه لاولاده الى ديل الشيخ ils n'ont pas appris chez les gens dignes de confiance leurs parents ou leurs mères ils les ont délaissés c'est-à-dire ils n'ont pas fait attention de leur enseigner la science de la religion il a dit peut-être eux-mêmes ils étaient ignorants ils ne savaient pas ils n'ont pas appris la science de la religion celui qui ne possède pas la chose comment peut la donner يعني فاقد الشيء لا يعطيه celui qui n'a pas la science comment on peut donner la science à autrui à autrui. يعيشون على الجهل ils vivent sur l'ignorance بعضهم يعتقد والعياذ بالله الله تعالى هو ضوء هذا كفر من هو على هذا الاعتقاد يعتقد أن الله تعالى ضوء هذا شبه الله بخلقه او من قال والعياذ بالله الله تعالى جالس على العرش هذا ايضا شبه الله بخلقه وهذا كفر هذا الشخص لا يكون من, من المسلمين ولو هو اعتقد وظن بأنه على الاسلام فظنه لا ينفعه في الآخرة لأنه ليس على الاسلام ليس على الاسلام ليس على الايمان الى ديك Croire, ils croient que Allah ta'ala est une lumière, une lumière, une lampe. Alors, c'est lui qui a cette croyance, il n'est pas musulman. Et d'autres, ils croient que Allah ta'ala, que Dieu est assis sur le trône. Non plus, ceux ne font pas partie des musulmans. Même si eux, ils sont convaincus d'être musulmans, leur conviction ne le sert à rien. Alors, la personne, il doit apprendre, comme il a dit le cher, chez les gens qui sont dignes de confiance, pour avoir la garantie. Comme il a dit le cher, il a la garantie de rentrer au paradis. Mais celui qui n'a pas fait attention durant sa vie, il a dépensé sa vie dans les choses inutiles, il n'a pas appris la science de la religion. Alors, comment peut-il peut avoir la garantie بعضهم يعتقد والعياذ بالله ان الله تعالى يجلس على العرش او اكبر من العرش او منهم من يقول بحجم السماء او منهم من يقول هو في الفضاء او منهم من يقول هو على الغيوم والعياذ بالله هذا تكذيب للقران ليس كمثله شيء الله تعالى Donc, il a dit le cher que certaines personnes ils croient que Allah Taala il, il a la taille du trône, ou bien ils disent qu'il est plus petit ou plus grand, ou que certains ils disent qu'il il est dans les cieux, ou il est étalé sur les nuages, ou il est partout. Donc, ils ont démenti le Coran.

Il a dit le cher que Allah lui fasse miséricorde. Le plus grand bienfait que Allah Ta'ala a donné à ses esclaves, à certains parmi ses esclaves, c'est l'islam. فَمَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ النِّعْمَةِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُمْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْعَقِيدَةِ فهو ممن اراد الله لهم خيرا اما من لم تكن عقيدته عقيده اهل السنه اي ما كان عليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم الى عصرنا هذا فهو من الهالكين يعني الذي رزقه الله هذه العقيده الصحيحه عقيده الرسول عليه الصلاه والسلام وما كان عليه الصحابه ومن التابعين الى يومنا هذا يكون من الناجين ومات على الاسلام اما غير هذا فهذا يكون من الهالكين كما شرحنا من من اعتقد ان الله ضوء او يشبه البشر او يجلس على العرش او هو جالس في السماء يسكن السماء أو ما شابه فهذا شبه الله بخلقه فإن مات على هذه العقيدة الكفرية كيف يدخل الجنة لا يدخل الجنة كما قلنا ولا يشم رائحة الجنة. donc celui que الله تعالى lui a donné ce grand bienfait c'est à dire l'islam d'être sur la croyance De Jamaa, les gens de droiture, d'être sur la croyance des compagnons, des successeurs. Alors, celui-là, Allah Taala a voulu le bien pour lui. Par contre, celui que Allah Taala ne lui a pas accordé cela, donc il n'est pas sur la croyance, sur la bonne croyance, c'est-à-dire la croyance des compagnons, les croyances des successeurs et ainsi de suite. Alors, celui-là, s'il meurt suite à cette mauvaise croyance, sera parmi les perdants. Alors, bonheur à celui qui a suivi la charte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas commis l'association, il n'a pas commis la mécréance, et il est mort ainsi. Bonheur à lui, bonheur à lui. anhu. ليحمد الله من وفقه الله في هذا العصر لعقيدة أهل السنة والجماعة من حيث أصل العقيدة ومن حيث أص أصول الأحكام إلى دي le cher que Allah lui fasse miséricorde que la personne remercie Allah Ta'ala celui à qui Allah Ta'ala lui a accordé cela C'est-à-dire d'avoir la bonne croyance, la croyance de al-sunnah wal-jama'a, la croyance des gens de droiture. Si la personne est sur cette croyance, il remercie Allah Taala parce que Allah Taala lui a accordé la meilleure des choses. Le plus grand bienfait, c'est quoi C'est la croyance de al-sunnah wal-jama'a concernant la croyance et concernant les lois d'application. نحن نتبع من قبلنا الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا نتبع مذهب أهل السنة الذي كان عليه الصحابة والتابعون واتباع التابعين واتباع الأتباع وتبع الأتباع من كانوا ضمن الثلاثمائة سنة الأولى. Donc il a dit le cher, nous on suit ceux qui étaient avant nous, c'est-à-dire parmi les compagnons. Le prophète a enseigné les compagnons. Donc nous on suit les compagnons, on suit les successeurs, on suit ceux qui ont suivi les successeurs jusqu'à les 300 siècles, les premiers 300 siècles, et aussi même ceux qui sont venus après سلا dire parmi les gens de أهل السلف de ahl السنة والجماعة وقال رضي الله عنه الدين شرع قانون سماوي وضعه الله لخلقه ليتبعوه ليس ميراثا لفرقة من الناس هؤلاء جعلوه كأنه تركة لهم ورثوها من آبائهم قانون سماوي أي شرع نزل به الوحي هذا معناه ليس معناه القانون الوضعي حاشا لشيخ كالله لفاس ميزريكورد إلى C'est une charte qui a été révélée. C'est-à-dire, Allah Ta'ala fait descendre sur ses prophètes, fait révéler sur un prophète une charte pour que les gens suivent ce prophète. Ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas un héritage où on le transmet d'une génération à une autre. Certaines personnes, ils ont fait. Selon eux, que c'est comme un héritage, ils vont le donner aux ceux qui viennent, à ceux qui viennent après eux. Il a dit le cher, c'est une charte céleste, c'est-à-dire Dieu révèle au prophète cette charte. Hein, Ce n'est pas quelque chose que la personne a inventé et il l'a transmis comme héritage aux autres. C'est loin de ça. الدين السماوي هو دين الإسلام فقط. Chapitre. Il a dit la religion céleste, c'est la religion de l'islam. قال الإمام الهراري رضي الله عنه الدين السماوي الإسلام والإسلام هو دين الانبياء كلهم Le شيركوا الله لفاس مسيركوهد ادعي La religion céleste, c'est l'islam. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes, sans exception, sont sur l'islam. اللهو مرتضى دين لخلقه غير الاسلام الله تعالى dieu n'a pas agréé à ses esclaves autre que l'islam c'est-à-dire l'islam c'est la religion agréée par allah yuqalu al-shara'i' samawiyya on dit les chartes célestes adam lahu shari'a fiha tahlil تزويج al akh ukhti اذا كان من بطنين مختلفين ثم الله تعالى حرم هذا في شرائع الانبياء الذين جاءوا بعده هذا اختلاف الشرائع كذلك جاء عيسى عليه السلام فاحل بعض ما كان حراما في شريعه موسى عليه السلام هذا معنى Donc, on a dit que Allah Taala a, a agréé à ses esclaves l'Islam comme religion. Et on dit les chartes célestes. On dit les chartes célestes. On ne dit pas les religions célestes. Non. Le prophète Adam avait une charte, c'est-à-dire il pouvait marier ses enfants, c'est-à-dire le frère avec sa sœur, pas du même ventre. C'est-à-dire, la femme à Eve, elle avait, à chaque fois, elle accouchait avec un garçon et une fille du même ventre. Ces deux enfants pouvaient pas se marier ensemble. Mais le garçon du même ventre pouvait se marier avec la sœur d'un autre ventre, hein? mais pas du même ventre. Alors ça, c'était une charte que Allah Ta'ala a révélée au, au prophète Adam, alayhi salam. Et par la suite, cette charte a été abrogée. C'est-à-dire, actuellement, la personne pouvait pas il ne peut pas se marier avec sa sœur. Ça, c'était une charte qui était pour le prophète Adam salam. Allah Ta'ala a interdit cette charte aux autres prophètes, ceux qui sont venus après le prophète Adam. C'est ça qu'on appelle la divergence entre les chartes. Aussi, le prophète Jésus alayhi salam, il est venu il a rendu licite des choses qui étaient illicites à l'époque à la charte du prophète Moïse. alayhi C'est ça qu'on appelle euh, les différences entre les chartes. Un prophète, il vient, Allah Ta'ala révèle sur ce prophète de interdire quelque chose qui était licite chez l'autre prophète, et ainsi de suite. Ça c'est des شخص الله تعالى غيفيل او لا يجوز ان يقال الاديان السماوية. دونك il a dit le دير هذا الكلام يفهم منه ان الله ارتضى لعباده دينا غير الاسلام. Donc, ce n'est pas permis de dire les religions célestes. Pourquoi Parce qu'on comprend de là que Allah a agréé à ses esclaves autre que l'islam. Adam, Adam, Mathalan, Kana Musliman. Wa allama aulada hu, l'islam. Summa, Nabi, alladi ja'a barda Adam, allama l'islam. Summa, Alou Isa, wa Muhammad. al-islam. Donc, le prophète Adam, il a enseigné à ses enfants l'islam. Pourquoi Parce que lui, il est venu avec la religion de l'islam. Il a enseigné l'islam. Le prophète qui est venu après lui, il est venu aussi avec l'islam. Le prophète après, il est venu aussi avec l'islam. Jusqu'au prophète Moïse, il a enseigné à ses enfants, il a enseigné aux gens l'islam. Le prophète Jésus a enseigné l'islam. Jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aussi il a enseigné, il a propagé l'islam. Man <mère> anna l'islam. الله تعالى ارتضاه لخلقه فيما مضى فهو كافر يعني الذي يعتقد انه يوجد دين غير الاسلام وان الله تعالى ارتضاه لعباده فهذا لا يكون مسلما donc celui qui croit que il y a une religion autre que l'islam que Allah Taala agréé pour ses esclaves donc ne fait pas partie des musulmans celui qui croit que Il y a une religion autre que l'islam que c'est permis. Hein? Certains ils disent cela. Voilà. Certains ils disent que c'est permis. À tel point, certains ils disent que c'est permis de changer. Voilà. Donc cela ne font pas partie des musulmans. Pourtant eux ils croient qu'ils sont musulmans. Ils mettent le turban et ainsi de suite. Et ils disent que c'est valable la liberté comme ils disent de choisir. نامبورت كيل religion، دونك، ces gens ne font pas partie des musulmans. أما من يفهم من كلمة الأديان الشرائع أي الأحكام فقال الأديان السماوية بمعنى الشرائع، يعني هو يعتقد هذا مع اعتقاده أن الدين الذي أمر الله به هو الإسلام. فقط مع اختلاف الشرائع بين الانبياء هذا لا يكفر لانه يعلم ان الله تعالى امر بالاسلام ولا دين سماوي الا الاسلام ولكن هو يعتقد بهذه الكلمه انها اختلاف الشرائع فهذا لا يكفر نعلمه الى دين الشيخ C'est lui qui comprend de ce mot qu'on vient de dire les religions célestes, c'est-à-dire les chartes. Il a compris cela, il a compris les chartes célestes. Il n'a pas compris les religions. Pour lui, il comprend les religions, c'est-à-dire les chartes célestes. Et il a dit, il a cru en cela. Mais lui, il croit que Dieu a envahi l'islam comme religion. Lui, il a comme croyance qu'il n'y a pas autre que l'islam comme religion mais tout simplement il croit par le fait de dire les religions célestes lui il croit que c'est les chartes célestes donc celui-là on ne le déclare pas mais créons on lui enseigne on lui apprend madhabu ahlis sunnati wal la croyance de Ahl sunna <média> wal jamaa قال رضي الله عنه ان اعظم امور الاسلام هي معرفه عقيده اهل السنه على اصولها الذي درج عليه علماء الاسلام من ايام الرسول الى هذا العصر لشيخك الله لفاس ادي Parmi les meilleures des choses, c'est le fait de croire, d'avoir comme croyance la croyance de Ahl Sunnah. C'est-à-dire apprendre la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, croire en Allah et en son prophète. C'est-à-dire la croyance que les savants ont enseignée. À l'époque du prophète wasallam, jusqu'à nos jours, la bonne croyance qui n'a pas été déformée ou falsifiée ou rajoutée des choses qui contredisent la croyance, c'est la croyance pure qui vient du prophète wasallam jusqu'à nos jours. فنصيحة جليلة تقدم من فرصة حياتكم لتعلّم هذه العقيدة التي تضمن لصاحبها النجاة في الآخرة يعني ما أجملها ما أجملها من نصيحة. دي ان كونساي ان كونساي كون بو دوني او jeunes مسلمون. Un grand savant, un grand cher, il donne un grand conseil éminent qui est profitable aux jeunes. Il a dit, profitez de votre vie d'apprendre la science de la religion qui garantit à celui qui a appris cela la sauvegarde dans le-delà. Quel bon conseil. C'est beaucoup mieux que d'offrir de l'or. Ou des trésors aux gens, c'est le fait d'apprendre la science de la religion. Et c'est pas moi qui dis cela, c'est un grand cher, c'est un grand savant qui donne ce conseil. kama yajib, sallallahu wasallam, Muhammad, et donc c'est la croyance des le Sunna, le fait de croire en Allah comme il se doit, le fait de croire en son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des prophètes. Et اتباع ذلك بمعرفه ما يقطع الاسلام ويخرج صاحبه الى الكفر. وذلك باحتراز باحتراز المكفرات المكفرات التي بينها علماء اهل السنه في كتبهم ومؤلفاتهم et donc et le fait d'éviter ce qui fait annuler l'islam ce qui fait rompre l'islam alors c'est quoi qui fait annuler l'islam c'est l'apostasie c'est la mécréance le fait de prononcer le fait de faire ou le fait d'avoir comme croyance comme on vient de citer la mécréance les trois sortes de mécréance donc il a dit le fait d'éviter cela la personne qui apprend la science de la religion il sait comment éviter ces sortes de mécréances donc cette croyance que les savants de al-sunna ont écrit dans leurs ouvrages, dans leurs livres. Faya fawza al-Shab, alladhi yuhassilu هذا. Quel bonheur, quelle réussite aux jeunes qu'ils arrivent à faire cela, c'est-à-dire à consacrer un temps d'apprendre la science de la religion. Yannis Law Barmaja barmagea yomahou, kulla yom يتallam al-Din. هذا يكون له سهل إن نشأ على هذا يكون سهل جدا أن يتابع وأن يبقى على هذا الشيء وأن يعلم أولاده على هذا الشيء وما أجمل هذا الشيء Et donc, c'est quelque chose qui est facile pour celui qui a grandi sur cela. Même celui que ses parents lui ont appris la science de la religion, lui ont éduqué Le fait d'aller à la mosquée, le fait d'apprendre la science de la religion, le fait de persévérer. Alors, c'est lui qui a grandi sur cela, c'est très facile pour qu'il continue lui-même à enseigner, même à éduquer ses enfants, et ainsi de suite. Quel bonheur, c'est lui qui a grandi sur cela. Аононстонононон sallallahu le prophète Alaïs il a dit dans une tradition prophétique ce qui signifie cette catégorie des gens sont abrités le jour dernier sous l'ombre du trône. Et ce jour-là, il n'y a pas autre ombre que l'ombre du trône. Et il a cité parmi ces catégories, ces sept catégories, il a cité parmi eux un jeune homme, il a grandi sur l'adoration. Quel bonheur, c'est lui qui a grandi depuis son bas âge. Jusqu'à sa mort sur l'adoration de Allah Ta'ala, le fait de faire les obligations et éviter les choses interdites. Kathirun nas ghafilun »« Ghafilun an Il a dit Dans nos jours, beaucoup de gens sont insouciants, ne font pas attention à cela. C'est quelque chose qui est devenu rare. Le fait que la personne prend soin de l'apprentissage de la science, de la science, c'est quelque chose qui est on a remarqué les gens font très attention à autre que la science de la religion, les habits, la nourriture, les voyages, les sports, plein 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 de choses, mais la science de la religion c'est rare où on voit des gens parlent de la science de la religion, ou font attention à ça. Pour ça, il a dit le cher, ils sont dans l'insouciance. Ils ont fait attention aux sciences du bas monde au détriment de la science de la religion. Donc, comme vous savez, ce bas monde, ne vaut rien par rapport à l'au-delà. C'est les bien, les délices de ce bas monde sont éphémères. <coughs> Donc l'au-delà, c'est la demeure éternelle. Il n'y a pas de fin. Dans le dans l'au-delà, il y a deux demeures qui sont éternelles. Le paradis et l'enfer. Toi qui es intelligent, c'est à toi de choisir, c'est à toi de suivre. L'intelligent suit le paradis, le chemin qui mène au paradis. Donc, celui qui a grandi sur cela, sur la bonne croyance, que les musulmans ont enseigné à l'époque du prophète jusqu'à nos jours, alors il est sauvé des autres croyances qui contredisent l'islam. Celui qui a grandi sur la bonne croyance, donc Alhamdulillah, il dit Alhamdulillah, parce qu'il n'a pas rencontré ou il a évité les gens qui ont une mauvaise croyance. يقول الشيخ رحمه الله حدثت منذ نحو 250 وخمسين سنة تقريبا فرقة تشبه تشبه الله تعتقد أن الله حجم متحيز في جهة في جهة فوق وتجعل الله جسما له أعضاء والعياذ بالله تجعل الله جسماً له أعضاء له مقدار بحجم العرش أو أصغر أو أكبر والعياذ بالله هؤلاء خالفوا القرآن القرآن يقول ليس كمثله شيء أي أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه الشيخ يَا environ, environ 250َ années En arrière, il y a un groupe où ils font ressembler Allah Ta'ala à ses créatures. Ils croient que Allah Ta'ala est un corps. Il est localisé dans un endroit, c'est-à-dire dans la direction supérieure. Et ils ont cru que Allah Ta'ala, ils croient que Allah Ta'ala a un corps, a des membres qui est limité soit comme le trône soit plus petit ou soit plus grand que le trône alors ces gens-là ils ont contredit le coran comme on a dit tout à l'heure dans le coran il y a un verset qui est clair ce qui signifie rien ne tel que lui dieu en aucun cas ressemble à ses créatures laysa hajman kabira voilà, Hajman Dieu n'est pas encore grand ni encore petit donc Dieu n'est pas localisé dans un endroit car Dieu tout simplement n'est pas un corps Dieu ne ressemble pas au corps Dieu est le créateur des corps alors il ne ressemble pas أوكو okay. انما يتحيز في الجهه والمكان الحجم ان كان كبيرا وان كان صغيرا يعني سهل سبحان الله سهل لمن رزقه الله الفهم السليم دونك سي quelque chose qui est facile qui est simple الله تعالى لي accorder une raison c'est-à-dire la bonne compréhension. il a dit le cher, c'est lui qui est localisé dans un endroit. alors, c'est un corps, que ce soit un petit ou un grand. vous voyez comme c'est simple. le corps, on peut dire, c'est un corps qui est localisé ou qui est, a besoin de la place, que ce soit un grand ou que ce soit un petit. اهل الحق على ان الله موجود بلا مكان وهذا نجد في جمعيتنا والحمد لله الصغار والكبار يعلمون يعلمون هذا الله موجود بلا مكان et donc les gens de اهل السنه ils ont pris cette habitude c'est-à-dire d'enseigner de croire que dieu Existe et il n'a pas besoin de la place. Et on voit, Alhamdulillah, on remercie Allah Ta'ala, on voit beaucoup de gens dans notre association enseigner cela. Même les petits enfants, ils disent, Allahumma wujudon bila makan. On répète ça souvent et on est fier de dire cela. Wa hazi il aqidatu donc, et ce groupe égaré que le Cheikh a parlé, ils ont la croyance qui ressemble à la croyance des non-musulmans. Et ça, c'est clair. On voit cela. Ils font ressembler Dieu à ses créatures. Ils disent, il a un corps. Ils disent qu'il est localisé dans un endroit. Donc, ils ont cette mauvaise croyance que le musulman n'a pas cette croyance. Al-Kufar. عقيدتهم ان الله موجود في مكان وهؤلاء وافقوهم ولا يعرفون انهم خارجون عنه يعني هم يعتقدون انهم على الاسلام ولا يعتقدون انهم خرجوا عن الاسلام وهذا لا ينفعهم كما قلنا هذا لا ينفعهم اعتقادهم لا ينفعهم اذن Ces gens-là qui ont contredit cette bonne croyance, ceux qui ont cette croyance que Dieu est localisé dans un endroit, alors ils, sont, ils ont la même mauvaise croyance que les non-musulman. C'est-à-dire, c'est lui qui dit que Dieu est localisé dans un endroit où il dit que Dieu a un corps, où, res, où il ressemble au corps. Donc, il a la même croyance de non musulmans même si lui, il croit qu'il est musulman. Certains, ils sont certains, ils ont la certitude qu'ils sont sur l'islam. Alors, leur conviction qui sont sur l'islam, comme on a dit tout à l'heure, ne sera rien pour eux. C'est pas ça qui va les sauver le jour dernier. C'est-à-dire, après la mort ou lors de la mort, ils vont rencontrer l'ange. عزرائيل عليه السلام وهم سيجدون أنهم ليسوا على الإسلام كما قلنا إنه متأخر إنه يعني الشخص عندما عند الموت عندما يقابل عزرائيل عليه السلام فهنا يعرف يعرف أنه إن كان على الإسلام أو على الكفر وهؤلاء سوف يفاجئون. يعني عندما يلاقون عزرائيل عليه السلام هنا الشخص لا يستطيع أن يتراجع وأن يطلب من عزرائيل أن يمهله ساعة خلص انتهى الأمر ويقول الشيخ رحمه الله وفرقة حدثت منذ سبعين سنة تقريبا تكفر المسلمين وتستحل قتلهم تستحل قتلهم وهم جماعة سيد قطب الذين يكفرون حكام المسلمين لأنهم يحكمون بغير القرآن مع أنهم يحكمون في أبواب بالشرع الميراث والنكاح والطلاق والوصية والهبة

Mécréants, ils déclarent mécréants les musulmans. Et voilà, billah ils rendent licite leur mort. C'est-à-dire, il rendent licite le fait de tuer un musulman. Ce sont le groupe de Sayyid Qutb. Il ils déclarent mécréants les musulmans, même les gouverneurs musulmans. Pourquoi Parce que eux, il prend le loi de cette vie. Ils ne prennent pas comme charte le Coran. C'est pour cela qu'ils ont déclaré mécréants ces gens-là et même ceux qui suivent, c'est-à-dire les gouverneurs et ceux qui suivent le gouverneur. Et aussi, il y a un groupe égaré. Ils ont comme croyance que l'être humain, c'est lui qui crée ses actes, que ce soit ses mouvements, l'immobilité, la prononciation, le regard et même le fait de penser. والقرآن يقول الله خالق كل شيء أي الجسم والحركات والأعمال donc ces gens là ils ont contredit le Coran car dans le Coran Dieu dit que Allah تعالى que Dieu le créateur de toutes choses les corps et les mouvements et les immobilités et même les actes et les pensées هاتان الفرقتان يعرفون اليوم بين الناس بالجماعة الإسلامية هم سموا أنفسهم ويقصدون بذلك أنهم هم المسلمون لا غيرهم Et donc, ces deux groupes égarés, ils sont connus actuellement comme ils, sont, ils ont été appelés « الإسلامية. al-islamiyya ». Ce sont eux qui, qui ont pris ce nom-là. Et il vise par là, ya que eux qui sont sur l'islam. Et personne d'autre est sur l'islam, والثانية، حزب التحرير. ويقولون للناس: من مات قبل أن يبايع الخليفة، ميتته كميتة عباد الأوثان. وهذه الفرقة أيضاً، Il y a aussi d'autres groupes qui sont appelés Hezbollah. Tahrir. Ils disent aux gens, ils disent aux gens: c'est lui qui est mort et il n'a pas donné le pacte à un calife, il est mort comme un adorateur des idoles. Donc ça aussi c'est un groupe qui est apparu environ 60 ans en arrière. Et ils sont apparus en dans la région de Palestine. Et le groupe avant ce groupe-là, ils sont apparus en Égypte. Il a dit le cher. Faites très attention concernant ces groupes égarés. En faisant cela, vous êtes dans la sauvegarde. C'est-à-dire, n'essayez pas de suivre ces gens-là qui sont sur l'égarement. C'est lui qui fait cela, donc il, est, il évite ces groupes égarés, donc il a sauvé sa religion. Il a dit le cher, ceux qui suivent c'est à dire les gens de droiture ils mettent en garde les gens contre ces mauvaises, mauvaises groupes égarés, ils enseignent la science de la religion ils mettent, ils mettent en garde les gens de commettre les péchés alors ils blâment le blâmable, ils leur donnent le bien il a dit on espère pour eux le grade de martyr même s'ils sont morts sur leur lit قال الرسول عليه الصلاه والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر شهيد. فيا فوز من تعلم هذا ودعا الناس اليه وجد في ذلك واجتهد. اذا لو عليه الصلاه والسلام الى دي سلويكي À ma charte, à ma religion, le jour où ça diminue cela, où les gens y contredisent cela, il a dit il a le grade de martyr. Donc la personne qui fait cela, il a un grade qui ressemble au grade de martyr, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très haut. Bonheur à celui qui a appris la science de la religion.

Ceux qui déforment la sunna du prophète Muhammad, que ce soit la charte ou les lois d'application. nas Donc ces gens-là, ils sont perdus. Ils se sont attachés avec leur opinion. Et ils propagent cela. ي demand aux gens de suivre leurs mauvaises croyances. Il a dit le sheikh, Faites très attention à ces groupes égarés. والذين يعاكسون أولادهم وأزواجهم من السعي في ذلك فقد حرموا خيرا كثيرا ويلحقهم ذنب كبير لأن عقيدة أهل السنة هي أصل الإسلام. Il a dit le Cheikh, Donc ces, deux, ces gens là sont, ils se, ils sont privés du bien pourquoi? Parce qu'ils sont sur la mauvaise croyance et ils commettent un grand péché parce que ils se sont éloignés de la croyance de al-sunna wal-jama'a et celui qui s'éloigne de cette bonne croyance, donc il est, il est dans une grande perdition. et la personne, c'est lui qui connaît la valeur de l'au-delà. donc, il souhaite pour lui la sauvegarde. et celui qui veut la sauvegarde, il va suivre la croyance de al-sunna wal-jama'a. سي لاكرايونس دو محمد صلى الله عليه وسلم وقول الرسول عليه الصلاه والسلام سنتي اراد العقيده والاحكام ليس السنن والنوافل وان كانت النوافل لها شان عظيم في الدين دونك لو عليه الصلاه والسلام كونتي لادي سنتي الى فيزي la croyance et les lois d'application. Ce n'est pas ce qui est visé par là, par Asunna, as c'est-à-dire les choses recommandées. Non. Tout en sachant les choses recommandées, comme les prières recommandées, le jeûne recommandé, c'est vraiment, c'est un grand bien. Mais c'est pas ça qui est visé dans cette tradition prophétique. قال العلماء القدماء الاولياء مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك يعني ان تصورته جسما كبيرا فهو ليس كذلك وان تصورته جسما صغيرا فهو ليس كذلك وان تصورته جسما لطيفا فهو ليس كذلك وان تصورته جسما كثيفا فهو ليس كذلك الامام ذنون الشيخ شيخ الصوفيه حكيم الصوفيه قال ذلك والامام احمد صاحب المذهب المعروف قال ذلك وكل العلماء كل كل قال مثل ذلك Donc le cher que Allah lui fasse miséricorde, il a dit, les savants, les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont venus avant, et les saints, ils ont dit, quoi que la personne imagine en son esprit, Dieu en est différent. C'est-à-dire si quelqu'un imagine que Dieu est un grand corps, alors Dieu n'est pas ainsi. Si quelqu'un imagine que Dieu est un petit corps, Dieu n'est pas ainsi. Si quelqu'un imagine que Dieu est un corps palpable, Dieu n'est pas ainsi. Si quelqu'un imagine que Dieu, un corps, n'est pas palpable, alors Dieu n'est pas ainsi. Bien sûr, celui qui a une mauvaise croyance comme ça, donc il n'est pas musulman. Celui qui croit, il a cru que Dieu, il a cette forme, donc il ne fait pas partie de musulmans. Il a dit le cher, al-imam d'un c'est le chef des Soufites, il a dit cela. Et il a dit aussi, l'Imam Ahmad, c'est lui le fondateur de l'école de l'Imam Ahmad, donc c'est lui, il a dit cela. L'Imam Ahmad, il a dit cela. Et beaucoup de savants, ils ont eu cette bonne croyance. C'est-à-dire, quoi, quoi que la personne imagine, en son esprit, Dieu n'est pas ainsi. La personne ne peut pas imaginer. La réalité de Allah Taala. Il n'y a que Allah Taala qui connaît sa réalité. La personne, celui qui dit, il est arrivé, c'est-à-dire, il s'est égaré. Il a imaginé quelque chose dans son imagination. Et l'imagination de la personne est créée. Hmm? C'est pour ça ils ont dit les savants. Quoi que tu imagines, en ton esprit, Dieu n'est pas ainsi. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم نهلل ونصلي على الرسول لا اله الا الله